Je préviens tout de suite, dans cette vidéo, je vais tester pour la première fois de ma vie une GoPro. Pas n'importe laquelle, la GoPro Hero 7. Alors c'est pas du tout un placement de produit, je l'ai payé plein pot, vous inquiétez pas. C'est juste que j'en ai jamais tenu une dans les mains. Donc c'est rigolo, hein. Tout pour dire que j'avais envie de voyager léger, donc il se peut très fortement que tout le son de la vidéo soit parfaitement dégueulasse. Voilà. T'as mis à peu près une heure et demie pour faire quelque chose que j'aurais mis 10 minutes à faire. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. T'es arrivé à 54 à Saint-Lazare. Il y a absolument 10 minutes de train pour arriver jusqu'à Levallois. Il est arrivé à 16h54 à Saint-Lazare. Et il est arrivé à 17h58 à Levallois. Qu'est-ce qu'il a fait entre temps? Je ne sais pas. Je s'est perdu. Voilà. Grosse merde. Merci. Très beau. Tuto d'ouverture de bière par Warren Paquet. Là ça marche pas. Ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Attention la mousse. J'en profite pour... oui parce que je l'avais même pas sorti. Bonsoir. Comment ils vont? Ils veulent dire bien. Un coucou. Voilà. Je me suis un petit peu égaré de la galerie Octopus pour aller m'acheter des éléments qui ne sont pas recommandés par le gouvernement. Du moins le gouvernement français. Et c'est la première fois de ma vie que je tombe devant un restaurant vegan. Je crois que j'ai goûté ça tout à l'heure. Selon le montage, on va voir si je le tente ou pas. Voilà. Alors dans la galerie, il y a ce truc. J'essaie de m'en faire une petite. Hein. J'ai une belle gueule de con. Ah, t'as une catégorie gueule d'abruti. Écoute, à la limite, je vais peut-être me la mettre en fond d'écran. J'ai le droit d'en faire une autre. On va se tenter une vraie grimace alors. Par contre, tu vas avoir le logo sur ta gueule. Oh bah non, comme ça, ça force le regard, ça force le sérénal. Tiens, tout est parti. Et on a de très belles photos. Oui. Voilà. Bon, ça c'est Warren, mais on le cache parce qu'il est pas beau. On a même pas été de faire photo. On pourrait se faire. On va pouvoir faire une photo. On va pouvoir faire une photo tous les deux en amont. Oh non, viens, ça va faire nuit, vas-y, on s'en fout. Ah, parfait, magnifique. Donc, du coup, t'as imprimé ou t'as. Allez, là, du tout le monde devant. Ne bougez plus, c'est marqué. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh, oh, oh. Quel homme. Il y a des gens derrière. Bah, devant, là. 2, 1, et pour un 4, c'est tout pour lui. Allô, Naturanium, où est-ce qu'il est? J'arrive. Heureux encore. Oh, encore lui. Oh mon dieu. Oh, encore lui.
comme ça. Ouais, c'est moi qui fais du bruit comme ça, pourquoi ça te dérange? Ouais. L'année dernière, on était dans le ghetto de Blaise Hitler, là, dans ce secteur-là. Moi, je suis le guide. Par le stand des Scorpions, j'ai quasiment pas regardé ici, en fait. J'ai pas eu le droit d'avoir les t-shirts, alors je pourrais bien avoir le droit d'avoir le bouquin, non? Oui, j'aime les imprimantes, monsieur. Quand je vois ça, ça me rappelle des souvenirs. Ah, l'odeur de l'encre. J'arrête parce que ça me fait pleurer. C'est marrant parce qu'il y a bien longtemps, je fantasmais sur le GH2. À l'époque du GH2. As-tu vu ce petit stand Polaroid? Ils ont pas l'air d'être très très beaux, hein, ces appareils photo. Donc ça, c'est le futur. Est-ce que vous vous souvenez de celui-là, là? Est-ce qu'on s'en souvient du Polaroid Snap? J'ai juste envie de voir celui-là. Ouais. C'est très chelou, on dirait un... À tenir en main, c'est pas agréable. Ouais, c'est... D'accord. Très étrange. Bon. Madame, on peut faire une photo avec Mickey aussi? Ouais, ouais. Voilà. Voilà. Oh, super. Ça, c'est bon. C'est une arnaque, madame. Y'a pas la photo? Faut attendre. Merci. Je fais pas un Polaroid Diable de Tasmanie? Oh putain, Barbie! C'est ça, il va l'acheter juste à la salle. Pour mettre dans son décor. Mais grave! La deuxième folie. Si on atteint les 6000 abonnés avant la fin de l'année, j'achète un Polaroid Barbie. Ceux-là, ils sont magnifiques. Le blanc, là, je suis trop fan. Attention, ça commence à apparaître là. Ah, j'ai une tête tellement niaise. On cherche à regarder. C'est la première fois de ma vie que je tiens un Alpha 7 dans les mains. Je sais plus où me mettre là. Je vous l'ai dit, c'est par réflexion. Ouais, je suis pas habitué à ce genre de technologie. Ouais. Excusez-moi, est-ce qu'il est possible d'avoir un sac? Est-ce que vous auriez un deuxième sac? À quoi sert ce stand? Est-ce que j'aime moi le bon bulb? Ça conclut. Ah oui. Donc, j'ai ma réponse. Ce n'est pas un réflexe. Mais... Alors du coup ça fait quoi de passer au R3? Alors, du coup ça fait quoi de passer au Sony R3? Alors du coup ça fait quoi de passer au Sony R3? Alors du coup ça fait quoi de passer au Sony R3? Je te faisais des coucou. Bon, y a plus beaucoup de batterie, alors on essaie de fuir Florian. Alors moi ce que je vous dis c'est achetez Lumix, hein. N'achetez pas GoPro ni Canon. Alors ce que je vous conseille en cette année, c'est un petit Lumix, faut pas le dire. Florian, achète du Lumix, putain. Kevin Colin Jackson. C'est un des plus anciens abonnés là. Est-ce que c'était mieux avant? C'était différent. Est-ce que c'est mieux maintenant du coup? C'est différent. On peut aussi se comparer les beubards. Alors vous pouvez voter. Vous tapez dans les commentaires 1 ou 2 pour 1 et 2 qui a la plus belle beubard. Et puis, le gagnant gagnera un peigne à barbe. Voilà. Donc Marc-Florent Anière coiffure. Voilà. Et tant pis, Anière Coutique. Voilà, ça marche. Viens, bon, fait. Tu vas un bisou. Vas-y, ouais, je te bisou. Vas-y, vas-y. Bah, tu vois, c'est marrant parce que moi non plus, là, dans cette situation, je sais absolument pas quoi dire. Je vous présente le Nicolas Petit, le premier, le number one des tipeurs. Le plus ancien des tipeurs. Le plus ancien, le plus vieux. Il a deux semaines. Ce mec. Bah écoute, j'en profite pour te remercier en vidéo. Puis, un plaisir. Si vous avez envie de soutenir, hein. Tout est dans la description. T'as vu, même moi je suis gêné de parler à ma propre caméra. Ouais, c'est vrai qu'elle est intimidante. Elle est intimidante. Elle te regarde, elle a un œil, on dirait un cyclope. Ouais, c'est super chaud. Bon, ouais. Pour le peu qu'elle soit comme ça, c'est GLaDOS dans Portal. Félicitations. Est-ce que ça peut être, je sais pas moi, au plus grand youtubeur du monde ou... T'as le temps de réfléchir. J'essaie de te passer une connerie, je trouve ça pourri, mais. C'est absolument rien ce que je te dis. Ça ne veut rien dire. Faut le faire, faut le faire, faut le faire.
Ça dépend, il doit d'argent, non? Non. Alors les amis, je suis tombé sur un abonné super sympa, il a quelque chose à vous dire, je vous laisse avec lui. Hein. Désabonnez-vous. Merci beaucoup. Merci. On déconne, hein, bien sûr. Hein. Moi, ça me fait pas rire, monsieur. S'annonce pour le deuxième jour et le seul Goliot en t-shirt, c'est le Normand, hein. Faut se poser de questions, hein. Tout va bien, tout est normal. Les amis, je crois que je vais faire des infidélités à Canon là. Je fantasme de plus en plus sur le A7S III. Je sens que je vais encore faire une connerie. Encore. Chercher le Sylvain. Ah bah tout de même alors. Mes souvenirs, j'ai dû une fois goûter une huître en étant très sceptique et après je me suis dit bah ça n'a pas tout. Et j'ai hâte de regoûter ça avec toi. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve là? On se trouve au seul et unique bar à huîtres de tous les salons de photos du monde. Et on a la chance de l'avoir à Paris, voilà. En France, chez nous. Aujourd'hui. Je vais certifier, il n'y en a pas à Photokina. Il n'y en a pas au Japon. Il n'y en a pas. C'est. En vrai? En vrai, c'est le seul. Unique à Paris. Champagne. Non. Parfait. Ben non. On parle là-dessus. Là, ça. Et mec, t'as un souci? Je vous prendrais bien un petit peu d'huître, s'il vous plaît. Alors, allez-y. Et ben, on prendrait bien une assiette d'huître. On hésitait un peu entre les tailles, on nous a dit que la 3, c'était pas mal. Alors, la 3, oui. La petite, vous avez une offre spéciale. Vous avez le verre de vin blanc qui est un verre de vin blanc avec les... Ne sachant pas si j'aime les huîtres, je vais prendre la petite. Il n'y a plus qu'à s'installer. Il y a un peu de soleil, hein, mais bon. Près de la mer. Ouais, près de la mer. Près de la mer. On a des tickets de tombola. avec sandwich saumon et petite huître. J'adore déjà. C'est l'expérience. C'est déjà une idée assez exceptionnelle et je crois que ça arrive. On s'est mis à l'ombre du parasol parce qu'on a un peu peur des coups de soleil. Ouais, ça tape un peu sur la petite gapette. Voilà. Ça serait par exemple une bonne story Instagram. Aux huîtres. Il faut savoir que quand tu manges une huître, elle est vivante. Là elle est vivante. Là elle est vivante. Tu peux le constater en prenant ta fourchette et quand tu racles un petit peu les bords, hop. C'est pas gentil. C'est pas gentil pour elle. Ah bah c'est carrément bâtard, ouais, c'est pas vegan. Hein. Donc le citron, t'es pas forcément obligé de l'étaler partout. Tu le presses dans ton huître. J'ai très peur de la première huître. Tu penses simplement à la tirer. Il faut le bouffer le pied, on mange aussi. Voilà, tu le prends. Et à partir de là, bah, c'est pas bien compliqué. Hein. Tu exerces un mouvement de bas en haut, translation verticale jusqu'à l'orifice buccal. Et tu manges. Ok. Et tu peux boire l'eau. Ouais. Alors? Je crois que j'aime bien. D'accord. L'emballage, j'ai pas très bien pensé. Le packaging, je laisse à désirer. Non, en vrai, moi, j'ai trouvé très très mal. Pas direct du producteur, quand même. Alors, hop, c'est le petit toast. Du coup, ce verdict. Eh ben, j'aime bien. En fait, c'est con à dire, mais c'est le goût de la mer. Si t'aimes les marchés aux poissons, si t'aimes les bateaux qui rentrent de la pêche et compagnie, voilà. Cette espèce d'odeur et d'ambiance, tu l'as carrément dans les huîtres. Si t'aimes les marinières, les bérets. Eh bien, un petit compte rendu de ce repas. Pour ma part, c'était ma foi fort gouléant. Ouais. Tiens, regarde, tu veux un moment malaise. Ça, c'est malaise, mon gars. Tu vois, arrête de faire ça. Tu vois que tu lui expliques un truc. Tu vois, ça a l'air compliqué parce que visiblement il comprend pas. c'est ton pote hein, qui est. Non mais je le connais pas. Ça prend comme ça les plans, mais.
très grand. Voyons cette personne là. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe avec tes ordinateurs qui fonctionnent manifestement? Voilà, alors je travaille sur un petit bureau avec un iMac et en fait mon iMac il a 6 ans, il fonctionne parfaitement et à chaque fois que mes chats passent ils le font tomber, donc l'iMac il fait chpouin, il a des fissures des deux côtés, mais en fait il fonctionne parfaitement. Et donc j'ai aussi un portable chez Windows, hein, le nouveau tout ça, je travaille des fois dans le lit, voilà, et les chats passent dessus, des fois ils envoient des messages et tout, même si c'est du tactile, donc quand il y a un coup de patte, les chats ils font du tactile, c'est marrant. Ça marche avec les coussinets? Ouais, ça marche avec les coussinets, véridique. Merde. Et mon portable fonctionne parfaitement aussi. Bah merci pour ce témoignage. Merci. Ouais, moi je rage vite. Je viens de me sentir un petit peu con, parce que sur le 5D, il y a un bouton on-off, hein, tout bête, ici. Mais alors, cherchez le bouton on-off sur cet appareil photo. C'est la molette. C'est pratique, c'est très très pratique. Qu'est-ce que je voulais? Oui, un 100 mm macro s'il vous plaît. Ok. C'est du avec Ça c'est le prochain investissement. Donc donnez de l'argent sur le Tipeee parce que ça coûte très cher. Très très cher. Soyez au moins des millions, il le faut. Ça c'est pour ceux qui ont des complexes un peu hein, quand même. Oh mon dieu, mais c'est on regarde un instant. Mais que faites-vous là? Moi? Je t'ai. Là c'est comme la pêche. J'espère que t'as des bières parce qu'il va falloir être patient. Bonjour. On aimerait bien essayer un petit VK. On a jamais eu l'occasion de tester en fait. Lequel? Si vous avez un full frame, c'est... Ouais, bien sûr. Deux très beaux. Ah d'accord, moi j'avoue que un moitié full frame. Mais là il y a une définition de porc mon gars. Heureusement qu'on y allait à deux, mais je crois qu'on aurait pu attendre. Ouais, on aurait pu attendre encore bien plus longtemps, mais ce fut une très très bonne expérience. Si vous avez l'occasion de tenir dans les mains un Leica, franchement, top. Eh bien, c'est un salon de la photo qui se termine sur un timelapse. On est parti.